كان لأجدادنا الأقربين معرفة بأمور البحر، ويمكن حتى الجزم بتفوقهم فيها. لقد كان بحر العاصمة الجزائر يذهبون بعيدا على متن سفنهم ويراقبون من هنا ومن هناك مواقع عديدة تعرف اليوم بالاستراتيجية. لم يكن البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لأجدادنا سوى بحيرة، لهذا كانوا يدعونه بالبحيرة. Cette expédition devait durer 8 jours avec 10% de chance de réussir, c'est-à-dire de succès, ce qui était très minime quand même. Qu'est-ce que tu as fait? Ils ont avec un petit bateau, les mers démontées, là où ils ont acheté un problème, le camel, là, ils avaient des faux passeports, mais qu'est-ce que tu as fait en règle? باللي المركب يوصل عندما اقتربت السفينة المتضررة من هول العواصف ومن رحلتها الطويلة التي دامت 3 أسابيع إلى السواحل الجزائرية المغربية. كان نادير بوزار قائد هذه الرحلة العظيمة المنتهية متواجدا على ظهر السفينة مع محمد بوخروبة الرئيس الراحل بومدين برسوه بالناظور في المغرب قرب الحدود مع الجزائر. كان اليخت دينا قد أكمل مهمته، ويا لها من مهمة. لقد كانت إحدى الرحلات الأكثر إثارة في تاريخ حرب التحرير ومغامرة ونجاح. ولكن ما هي قصة دينا؟ هذا اليخت التابع لملكة الأردن، ومن أين أتى؟ وماذا كان يحمل على متنه؟ ولمن؟ ومن هم قادة هذه الرحلة غير العادية التي سمحت لجيش التحرير الوطني وجيش التحرير المغربي بالتزويد معا ولأول مرة بكميات كبيرة من الأسلحة الموجهة لحربي تحرير البلدين الشقيقين؟ في الواقع بدأ كل شيء قبل اندلاع حرب التحرير الوطنية. ففي القاهرة وفي أواخر الأربعينيات من القرن الفارط شرعت حركات تحرير المغرب العربي في الهيكل والتنظيم، حيث أعطت نهاية الحرب العالمية الثانية آمالاً للشعوب لتقرير مصيرها، وزادت مجازر سطيف وخراطة في الجزائر ثوار المغرب العربي قناعة وحزماً بضرورة حمل السلاح ضد المستعمر. Vous savez, en 48, 49, 50, 51, quelques Maghrébins même sont envoyés en formation militaire en Irak. Et des contacts ont lieu avec les autorités égyptiennes. Et surtout après la révolution de 1952, avec le nationalisme arabe, avec le nasserisme qui se déploie au fur et à mesure, il y a un intérêt particulier donc, pour le Maghreb et pour les luttes de libération au Maghreb. Et c'est dans ce cadre d'ensemble que se constitue, que s'installe à partir donc de 1954 la délégation extérieure du FLN, qui était installée là-bas, dont certains membres étaient installés là-bas depuis quelque temps déjà, comme représentant du PPA-MTLD. Donc ils deviennent représentants du FLN, cette délégation est renforcée par d'autres personnalités qui arrivent. Alors bien sûr, il y a Khider, il y a Aïd Ahmed, Dembella qui rejoint, Boudiaf qui de temps en temps fait des séjours et d'autres personnalités. Évidemment, ils prennent contact avec les autorités égyptiennes et l'idée d'envoyer des convois d'armement, un premier convoi d'armement est lancé avec effectivement le soutien du comité de libération du Maghreb arabe. Où se retrouvaient les dirigeants des différents partis nationalistes maghrébins et qui ciblaient en quelque sorte une sorte de lutte de libération commune à tout le Maghreb, avec même un projet de constitution de l'armée de libération du Maghreb. في القاهرة كانت الشخصيات الوطنية الجزائرية والمغربية والتونسية تحضر كلها إرادة وعزم تحت رعاية مصر الناصرية، يقول الأستاذ عمر كارلي. كانت مصر تدعم، لكنها كانت أيضا تعرف مشاكل سياسية داخلية.
Et il faut aussi tenir compte de cette fois de la situation égyptienne, car je ne suis pas sûr que Nasser ait voulu d'emblée donner aux Algériens tout ce qu'ils demandaient, y compris à Ben Bella en particulier, même s'il semble bien que des hommes en responsabilité au Caire, c'est celui sur lequel les Égyptiens ont jeté leur dévolu, peut-être parce qu'il apparaissait comme le plus ancien soldat lui-même, dernier responsable en titre de l'organisation spéciale, peut-être le plus à même de rentrer effectivement dans la voie de l'insurrection armée. Mais il faut se souvenir que fin 1954, Nasser n'a pas encore réglé définitivement la question de la direction du mouvement des officiers libres. La lutte avec Néguib est un élément du paramètre, et que par ailleurs, alors qu'il a été soutenu au départ par les frères musulmans, ces derniers vont plutôt soutenir Néguib et qu'il a d'autres priorités. Alors, je pense que par ailleurs, il veut peut-être tester le sérieux de ce qui peut apparaître comme l'aventure algérienne, à la fois les soutenir parce que finalement les projets de à l'échelle de tout le Maghreb n'ont pas abouti. Il y a des rivalités ou des différences d'approche, d'appréciation, de personnalité, de génération entre les uns et les autres, du côté des frères Khattabi, du côté des nationalistes arabes qui veulent inscrire le Maghreb arabe en tant que tel dans l'ensemble de la problématique du mouvement national arabe. منذ اندلاع الثورة التحريرية كان التزويد بالأسلحة قصد النضال الشغل الشاغل لقادة الثورة، فالمساحات شاسعة وأولى جماعات جيش التحرير الوطني مشتتة ومتمركزة أساسا في منطقة الأوراس والقبائل، لكن الضرورة ملحة لتنظيم تزويد المجاهدين في جميع أنحاء الوطن لإضفاء بعد وطني لحركة التحرير. Je dirais que le problème de l'acquisition des armes, leur acheminement et leur transport vers l'intérieur était une guerre dans la guerre. C'était une guerre dans la guerre dans la mesure où le déclenchement du 1er novembre s'est fait avec un noyau de militants extrêmement engagés, volontaires, qui avaient calculé le fait que, une fois que la révolution enclenchait, le peuple allait la prendre en charge et s'y impliquer totalement. Mais il y a un mais, c'est que le déclenchement s'est fait avec des moyens rudimentaires en matière d'armement. Donc le problème de l'armement, vous savez que l'OS a été créée en 1947, elle a essayé de créer des groupes donc de partisans pour la guérilla, pour le moment T, mais ils avaient très peu d'armement. Il y avait quelques lots qui avaient été achetés à partir de l'argent qui a été subtilisé à la poste d'Oran en 1948, 3 millions environ d'anciens francs, et qui a permis d'acheter quelques 300 ou 400 armes qui étaient stockées dans les Aurès. C'est ces armes-là qui ont été distribuées aux différentes wilayat, qui s'appelaient les zones à l'époque, pour engager l'action. La zone ouest, c'est-à-dire la zone de l'Oranie, qui était dirigée par Ben Mehdi s'était désisté de son quota au profit des Aurès, de la Kabylie et du Nord Constantinois. Il avait dit que c'est dans ces régions que la révolution peut tenir, peut perdurer. Moi, je me désiste donc de mon quota parce que je dois recevoir des armes du pays frère, du Maroc, en particulier dans la région du Rif, où il avait des agents à lui, des éléments à lui, pour obtenir quelques armes. Ce qui fait que le 1er novembre a été un succès dans les Aurès, en Kabylie et dans le Nord Constantinois, dans l'Algérois, c'était relativement faible, et dans l'Oranie, c'était absolument réduit à sa plus simple expression. C'était
au moins pour l'Ouest, une grande préoccupation. في القاهرة يستجيب المصريون للمطالب الملحة بالرغم من إمكانياتهم الضئيلة آنذاك. إحنا لا نريد لا فلوس ولا عايزين أكل ولا عايزين شرب. إحنا عايزين سلاح وتمرين وتوصيل السلاح لنا وذخيرة وبعدين إن ما كناش نحرر الجزائر ما نبقاش رجالة أمامكم. ما حد كنا نعمله داخل الإطار المصري واحد السر كامل يعني أولا من مش من القاهرة نعم ولا حتى من اسكندرية سي برسك على فرونتيار في القلاع اللي نعمرو لو باطون تاعنا يعني اون بلان كونديسي توتال ما فيش. على الرغم من إصرار السلطات الفرنسية على كسر الثورة الفتية التي ما فتأت أن تبدأ، توالت الأحداث بسرعة والتهبت الجزائر بنيران الثورة. وفي الوقت نفسه تم تنظيم أول قافلة للأسلحة انطلاقا من القاهرة، يخت أو قارب صغير يدعى دينا الذي أبحر في 28 من فيفري سنة 1955 وعلى متنه 21 طن من الأسلحة الموجهة للمجاهدين. في البداية هي قصة عمل باسل وشجاع يستحق أن يكون سيناريو رواية عن التجسس الدولي. Les armes qu'on avait, c'était très très peu, quelques fusils de chasse, quelques vieux pistolets, quelques fusils, quelques trucs. Les seuls qui avaient un peu d'armes, c'était les Ashabs, les Oras, Ben Bouleid, à la frontière tunisienne et l'akhiré. Donc, Ben Bella, il était harcelé par les responsables de l'armée de libération nationale. Ahtoun al-Slah, on était jeunes et on ne savait pas quoi faire parce qu'on n'avait pas d'armes. Mais quand on avait les bombes, comme on avait le jour, on avait fait des choses en France. Mais quand on avait Alors, Ben Bella, il a vu Gamal Abdel Nasser. Il a dit, j'ai besoin d'un bateau pour transporter les armes en Algérie. Il a dit, je suis avec le général Qasem, il a fait un coup d'état, mais c'était un homme qui il avait l'Algérie dans le sang. Il aimait beaucoup l'Algérie, général Qasem. Les révolutionnaires orientaux, le Moyen-Orient, ils adoraient l'Algérie après le déclenchement de la révolution. Ils ont l'Algérie qui a fait. Mais les armes étaient là. Bon, il faut dire que les Égyptiens avaient mis à la disposition de la révolution algérienne des camps d'entraînement avec un peu d'armement, parce que l'Égypte, après le coup d'État contre Farouk, c'était en 52, en juillet 52. Donc juillet 52 à novembre 54, il n'y a pas beaucoup de temps, l'Égypte n'était pas encore redressée, elle était pauvre, n'avait rien du tout. Ben Bella, chef Gamal Abdel Nasser, il lui a dit « Khchni Babour ». قالوا ما عنديش جوج بابورات دو باتو على ليبوك قالوا عندي دو باتو قالوا جو با تو دوني ما كانش ما سي با بوسي قالوا بصح لا سموا لو طون دو ريفليشي جو ريبوندري لي لا دوموندي اون سيرفيس دو لونشانيمون تاعو ايلو انونسي كو يافي ان باتو اي سابيل لو باتو دينا كي دينا دينا اي لا فام ليبوز نتاع حسين ملك حسين تاع لا جورداني كي دوريجين ايجيبسيان. Alors, ce bateau, c'était son père qui le gérait, le père de Dina qui le gérait au Moyen-Orient, des trafics, des trucs comme ça, qui le rapportait de l'argent. Quand les services de sécurité, quand le Gamal Abdel Nasser, voilà le bateau Dina, il a accosté à Tripoli. Donc, il faut voir comment on peut le prendre, comment on peut le détourner de là. Parce que Tripoli était encore international, pour ce Malik Sanoussi. Il y avait toutes les polices du monde. Voilà, quand il y a un mouvement révolutionnaire ou un bateau qui bouge plein d'armes, toutes les polices, ils coulent à la balle. La mafia, le CARF, les renseignements, ils peuvent avoir tout ça très, très, très facilement. Gamal Abdel Nasser, voilà, moi je te recommande de prendre Dina. Dina, il est à Tripoli, je mets à ta disposition tous les services de sécurité, l'ambassade, elle est avec toi, les personnels, tu as tout ce qu'il faut. ادخل عليهم رفدهم عملهم اولي ما قتلهم عملهم اللي حبيت مي جيبهم جيب البابور المصر قالوا بن بلا داكور سني با طومبي دون لي زوري دالتور اي سورون ا تريبولي اي اون لي انديك لوندروا و لو باتو وين اللي تي اكوستي ادخل عليهم اولي ما رفدوا يديكم يا في
هذا جون كي كان نوم اكستراوردينير ان يوغوسلاف كي تي لو كوموندون دو بور كي تي ديجا كابيتال فلارمي فلارمي دو ليبراسيون بوندون لا غير 39-45 الو تخلى عليهم بن بلا كدا هذا جي تي 3 و 4 قالوا هذا قال جا شاف بن بلا الى في جون هذا قاوري فوسهم كيفاش هذا كيفاش جا سخشاه قالوا شكون انت قالوا كي تي قالوا كي قالوا جو سوي جون كومون جون عطا له لو نتاعو اي قالوا دو كال بي تي قالوا شو يقول صاف قالوا شو تي دو يقول صاف تي دي نوتر قالوا شو دي نوتر حنا سون بور بور تيتو ايتترا الى اخره حنا نزيمو بوكو لي يوغوسلاف ولي يوغوسلاف يعني سون تري بروش دو نو بوان دو ريفولوسيون باسكو نافي سو باساج كومان Alors, quand nous maintenant vous allez lever l'ancre et vous dirigez directement vers le Caire ou la Cala du Suez ou la Scandria, un port égyptien. لكن هل يمكننا التحدث عن سفينة؟ يشك في ذلك نادير بوزار حين رآه لأول مرة. يتعلق الأمر بقارب إنقاذ تم تهيئته ليصبح يخت طوله 11 مترا به محركي وقود اثنين ليس به راديو دعامة الإرسال تطل على السطح الخلفي وبه أيضا دعامة صغيرة جدا تسع لشخصين أو ثلاثة في الأعلى تتواجد غرفة القيادة مع طاولة قابلة للطي ومقاس الضغط الجوي الذي يعمل من حين إلى آخر السرعة القصوى 8 عقد أي 15 كيلومتر في الساعة عندما يكون الطقس جميلا Il y avait un bateau qui a été choisi pour cette aventure qui s'appelait au départ Fakhr al-Bihar. Mais comme ce bateau appartenait à la princesse égyptienne qui s'appelait Dina, donc pour c'est une façon d'honorer et de remercier cette princesse, on avait donné le nom du Dina à ce bateau. Ensuite, il fallait choisir les résistants qui devaient faire partie de cette expédition. En fait, alors, il y a eu 8 résistants qui ont été choisis pour cette odyssée. Je vais les citer. Donc il y avait Abdelaziz Mechri, Abdelrahman Mohamed, Hussein Mohamed, Arfawi Mohamed, Chennouf Ahmed, il y avait Boukharouba Mohamed qui allait devenir plus tard le président Houari Moumedien, et Nader Bouzar de son nom de guerre, Abdelkader, qui était responsable de cette expédition. ولكن من هو نادير بوزار؟ ولد بوزار المدعو عبد القادر في الفاتح من مارس سنة 1917 بالرباط المغرب. نادير بوزار est d'abord d'une descendance maraboutique de Sidi Ahmed Ben Youssef qui est enterré à Médiana. Et donc son père était interprète civil et il a travaillé quand au moment où il y avait les Français négociaient avec l'émir Abdelkrim Khattabi et les Espagnols, donc il a servi d'intermédiaire. Donc voilà, ça c'est le décrit de son père. Et lui, il a fait des études supérieures au Maroc. Et il a fait des études supérieures dans le domaine du droit et littéraire. Donc, il a pu bénéficier d'un poste supérieur du temps du protectorat. Et je crois que c'était l'unique qui avait ce poste à l'époque. Mais durant sa carrière, il a vu toutes ces humiliations et ces injustices concernant le peuple marocain et aussi vis-à-vis de cette classe algérienne qui résidait au Maroc. Et donc, c'est comme ça qu'il a décidé de partir et de combattre ces colonialistes. في عام 1953 التحق نادير بوزار بمصر وتجند من أجل الكفاح لتحرير شعوب المغرب العربي. بن بلال كيف أقول لك؟ Il évoluait
au milieu d'un milieu cambodgien. Tout ce qui était proche de Ben Bella, c'était des volontaires, c'était des nationalistes, des militants, des cas-là. C'était un milieu comme ça. Matrière Hadam Nahala. Donc Bouzard, quand il est venu, c'était un élément parmi des centaines ou des milliers qui gravitaient autour de Ben Bella, des hommes très très... Sauf que Nadir Bouzard avait peut-être quelque chose en plus. À l'époque, c'était un diplômé universitaire. Effectivement, donc dès qu'il est arrivé, il leur a dit « j'ai envie de servir dans l'action et ne pas rester derrière un bureau ». Donc il pressait un peu ses collègues révolutionnaires pour qu'ils puissent avoir une responsabilité sur le terrain. Et bon, ça a pris un peu de temps parce qu'en fait, il y avait le 1er novembre qui se préparait. Et à l'insu de tout le monde, il n'y avait que Ahmed Ben Bella peut-être et Mohamed Boudiaf qui étaient au courant de cette date-là. Les autres s'impatientaient, mais ils ne comprenaient pas pourquoi le temps passait sans qu'ils soient intégrés à une action donnée. Voilà. Et puis bon, il est arrivé un jour où la résistance au Caire avait décidé d'envoyer un bateau d'armes sur le Maghreb, et c'est là où ils avaient décidé de donner cette responsabilité à Nadir Bouzard. بأمر من المقاوم المغربي الأمير عبد الكريم الخطابي وأحمد بن بلة انطلقت رحلة دينا من القاهرة. كل من رأى السفينة في الإسكندرية شك في مصيرها. عند توقيعه للأمر بالمهمة عانق بن بلة نادير بوزار طويلا وقال له أخي أنت على علم أن فرصتكم للوصول آمنين ليست سوى بنسبة 10%. Le choix a été donné pour Nadir Bouzard. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nadir connaissait très bien le terrain du Maroc, vu qu'il était haut fonctionnaire au Maroc, et connaissait aussi pas mal de tribus et la mentalité marocaine. Et ce qui fait que tout ça allait faciliter sa tâche une fois arrivé sur place. Les responsables de la résistance du Maktab au Caire avaient décidé d'une date de départ. Donc cette date, c'était pour le 28 février 1955, à 17h. Donc juste à la veille de cette date-là, le bateau se trouvait à Port Saïd. Et donc ce bateau, ils l'ont déplacé dans une crique à l'ouest d'Alexandrie. Et c'est là où le bateau a été chargé de ses 21 tonnes d'armes. Parmi ces 21 tonnes d'armes, il y avait des armes automatiques, des grenades, des munitions, etc. Donc le chargement s'est fait pendant 8 heures. Ce sont les militants d'ailleurs. Exactement. C'est les 8 militants pendant, excusez-moi, 20 heures qu'ils ont fait ce chargement. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait d'autres personnes pour aider. C'était une façon de maintenir cette action. Le secret, exactement. انطلقت السفينة إذن وعلى متنها 15 ناشطا عازما على الإبحار في منطقة يسيطر عليها الأسطول الفرنسي تماما. كانت رحلة محفوفة بالمخاطر. ستضطر دينا خلال رحلتها عبر المتوسط إلى مواجهة تقلبات الطقس والقوات البحرية الغربية والأمراض والتوترات الداخلية. استطاعت دينا إحباط كل الفخاخ والإفلات من كل المصائد. Donc le bateau est parti d'Alexandrie et il avait accosté à Derna. C'est une ville portuaire libyenne. Ils s'étaient arrêtés parce qu'il y a eu un début de tempête, ce qui fait qu'ils sont rentrés, ils ont fait le plein de gasoil, ils sont restés deux jours et puis ils sont repartis. Et ils devaient aller faire escale à Tripoli. Mais durant cette traversée, il y a eu une très grosse tempête. Nadir Bouzard, قلق من مجريات الأحداث. في تاريخ 3 مارس أصبح رفقائي شبه أشباح متحركة. لم أعد أتعرف عليهم من شدة التغيير في ملامحهم. على الأقل لم أعد أسمع تذمرهم، فهم لم يعودوا قادرين على ذلك. يحل الليل والعاصفة لم تهدأ. تصدعات اليخت أصبحت أكثر خطراً، وكان قلقي يتضاعف كلما سمعت صوت ترهل السفينة عند تصاعد الأمواج. À hauteur de Benghazi, ils étaient obligés de rentrer au port. Ils sont rentrés au port de Benghazi où tout l'équipage était dans un état médical très déplorable.
Et le bateau aussi n'était pas en bon état. Et quand ils sont rentrés au port, on leur a annoncé que 20 bateaux avaient coulé ce jour-là, dont deux paquebots. Et finalement, leur bateau n'a pas été touché par la grâce de Dieu. Ils sont restés, je crois, 3 ou 4 jours dans ce port parce qu'ils devaient se retaper et retaper le bateau aussi, comme ils n'étaient pas en bon état. Et puis, ils sont repartis. Et ils sont repartis pour Tripoli. Et une fois arrivés à Tripoli, le bateau a pu accoster normalement. Et là, ils ont eu la visite de Ben Bella. Ahmed Ben Bella, qui est venu et là, il leur a donné une somme d'argent pour faire le plein du gasoil et acheter de quoi manger. Et il avait demandé à Nadir Bouzar, qui était responsable à bord, et si tout allait bien. Et c'est là, Nadir Bouzar lui a dit que bon, il y avait une tension quand même qui régnait sur le bateau. Il y avait des soucis entre l'équipage, qui avait certains avantages et que le résistant n'avait pas. Et donc, ça a créé une tension et certains soucis à bord. Et donc, Nadir Bouzar avait conseillé à Ahmed Mbella de faire descendre 3 résistants. De quitter le bateau, qu'ils aillent par voie terrestre jusqu'à la frontière algérienne. Donc, ces 3 résistants, c'était Abdelaziz Mechri, Abdelrahman Mohamed et Hossein Mohamed. Ils devaient rejoindre un certain Rizqi Basta, qui est toujours en vie, actuellement sur Alger, et un certain aussi Adjabi. Donc, ils étaient à 5, ils devaient rejoindre la frontière algérienne. Finalement, le bateau a quitté Tripoli. Et juste à la sortie de Tripoli, le bateau devait prendre un chargement de 7,5 tonnes d'armes à une crique toute proche de Tripoli. Et comme ce jour-là, il y avait un début de tempête, ils n'ont pas pu accoster bien qu'ils se sont rapprochés, ils n'ont pas pu décharger ces armes-là, les 7 tonnes d'armes. Et donc, ces armes ont été acheminées par les 5 personnes, là, que je vous ai dit, avec Rizqi Basta et Adjabi, vers la frontière algérienne et qui ont été reçus par le responsable de la région à l'époque, Mustapha Ben Bouleid. D'ailleurs, pourquoi ils sont partis avant nous? Pour déposer le Maroc espagnol. C'est ce qui s'est passé. Là, le 29, Al-Qahira partira par route. حقنا لطرابلس نادير كملوا قالوا لهم كملوا راحوا هذوك لي دو زيتيدون اللي كانوا معهم حبطوا قالوا لي نادير راح سيتي ريسبونسابل دي كونفوا لي زوت سيتي دي باكيزار مي يا بيان سوليتيدون كي ريست افيك لو هو نادير بومدين هو نادير اسمه بوخروبا انا شو ريستي تماتيك Nadir Bouzar est arrivé là-bas où ils ont eu un incident à débarquement à Slaman. Heureusement, c'était de la plage. Alors, les ravitaillements manquaient. Quand ils arrivaient dans certains ports, les policiers venaient pour inspecter. Avec le genre, comme ça, ils étaient dans la calme. Ils étaient dans la calme, ils étaient un Européen, avec un blanc. Calme, Hadak, il leur parlait, etc. Il les sécurisait. Il les sécurisait dans la police maritime de certains pays. Alors, ils ont connu les vertes et les pas mûres pendant un mois. Un mois, la traversée, c'était la plus longue peut-être du monde, de par les moyens rudimentaires, de par le manque de connaissances la mer. Ils n'étaient pas des marins, ils n'étaient pas en dehors de gens. ميلان باسيتش المدعو جان طيار يوغوسلافي سابق إبان الحرب العالمية الثانية أعجب بالثورة الجزائرية واستشهد بعد سنوات لأجلها في زنزانة سجن وهران بسبب المرض بعد تعذيبه طويلا من قبل المخابرات الفرنسية غدا اعتقاله في البحر بينما كان يقود سفينة أخرى تدعى أتوس كانت معبأة بسلاح لصالح جيش التحرير الوطني. Donc le bateau devait aller sur les côtes marocaines. Finalement, il a été sur l'Italie, à Palerme plus exactement. Pourquoi? C'était pour déjouer certains services secrets français et anglais. À l'époque, il commençait à avoir écho comme quoi un bateau devait transporter des armes pour le Maghreb. Donc, c'était obligé de rallonger.
كانت الطائرات تحلق من حين لآخر مسببة الفزع والخوف لدى أعضاء الطاقم. نادير بوزار وزملاؤه يتوخون الحذر. اثنين من زوارق حرب تتبادل الإشارات في أمسية 16 من مارس. يبدو أنهم الأمريكيون. تحرك كبير على متن السفينة. نحضر بندقيتين وننقسم إلى مجموعتين. يبدو أن السفينتين استمتعا حولنا لمدة ساعة، ولكن لن تكون هذه المرة التي سنغرق فيها. في باليربو تشد السفينة انتباه سلطات الميناء وسلطات الأمن الإيطالية بسبب وجود مغاربة على متنها. Donc les autorités italiennes à Palerme étaient étonnées de voir un yacht de ce type-là accosté chez eux avec 10 personnes dessus. Donc une fois rentré, le bateau était encerclé par les services de sécurité portuaire. Et heureusement que le capitaine Jean avait cette géniale idée de dire que le bateau était à vendre. Donc on est venu pour voir s'il y avait preneur. خلال رحلة نقل السلاح الذي لم تتمكن دينا من شحنه تم توقيف أرزق باستا في تونس. قامت المخابرات الفرنسية باستجوابه واستظهرت له صورا من بينها صورة لنادير بوزار. استادير يسافي كيلي بارتي مي او سي لا لو بروبليم كان يسافي باللي بالسلاح كانوا يلاقيو مي واش خد يسافي بلو كيلي تي لابا. Parce qu'ils ont mis des indicateurs même de Tawana ou de Tawana. Ah, Kloua, celui-là, il était. Ah, celui-là, je le connais. Moustapha Boumbelet, parce que je suis passé. J'étais obligé de le reconnaître. Tandis que l'autre, Nadir, je le connaissais. Le Khalil Malalfoums, mais Anna Hadj. Anna, ben, je compte le convaincre. J'ai joué les tonnons, Yanné. Ah, oui, Hadja, oui, je le connais, il est au Caire. Comme s'il ne savait pas qu'est-ce qu'il. Oui, c'est qu'on les frotte, moi. Il dit non, monsieur Basta, il n'est pas au Caire. Il est parti. Il n'est plus au Caire. Ah, moi, je l'ai dit au Caire. Mais sauf Yanni, ils étaient au courant déjà. Mais ce n'était pas pour le convoi d'armes. C'était pour la preuve, c'est que l'Atos Nardo, il a été dénoncé déjà. Humains, ils sont partis dans la discrétion la plus totale. Et ils sont repartis pour la côte maghrébine. Donc, au bout de 2-3 jours, ils sont arrivés à hauteur de la côte marocaine. Et là, c'est là où Nadir Bouzar a annoncé aux résistants qu'ils devaient décharger les armes à Nador exactement. Et là, les résistants étaient tellement contents et heureux et se sont mis à chanter et à pleurer. De joie, bien évidemment. Et c'est là où Nadir Bouzar, bon, il le dit dans son livre, le Dina, qu'on était fiers d'être dans le premier bateau de la flotte libre du Maghreb. C'est une façon voilà, de ressentir ce sentiment de patriotisme. Et donc le bateau commençait à se rapprocher de la côte marocaine, plus exactement de la crique Ras El Mah. أيام قليلة قبل وصول دينا تم نقل مجموعة صغيرة من أفضل الصيادين في البلدة الحدودية الجزائرية الصغيرة غزوات. تم تجنيد هؤلاء النشطاء من قبل خلية جبهة التحرير الوطني لغزوات دون إخبارهم بالمهمة التي ستوكل لهم. عند وصولهم إلى الناظور التحقوا بالساحل مع صبي الأعين واستقروا على الشاطئ. دام الانتظار عدة أيام وليالي. يوم 16 مارس تقريبا أعلنت قيادة الثورة القيادة المحلية بأن السفينة تقترب. لهذا العرب بن هدي رحمه الله يعني أعطى الأمر للسيح ميسوم الرائد السيح ميسوم المدعو الحنصالي لكي يتكفل بالعملية. فقام الحنصالي باستدعاء بعض المجاهدين من المنطقة الذين أتوا من قرية دراوش العنبرة ثم من ولاد علي ثم من الصفرة. اختار أكثر رجال كفاءة وقدرة العنابرة سكان العنابرة لأنهم بصفة عامة سباحو المهارة لأنهم جاءوا فوق مرتفع يطل على البحر وأغلبية الشباب يحسن السباحة. إذن اختار 5 وهم موفقين
موفق البشير دين نور الدين، موفق محمد، موفق عبد القادر، موفق أحمد الديتيوي رحمه الله الذي توفى في أفريل الماضي. إذن اجتمعوا في الصفراء وطلبوا من هؤلاء الأفراد أن يلتحقوا بها، فالتحقوا جميعا واجتمعوا في خمسة من الصفراء اللي هم خمسة من العيدوني، عيدوني إدريس منهم عيدوني العيدوني أحمد ديسي إدريس رحمه الله ملازم أول، ثم باقي الجماعة حمدون عكاشة، مقدم أحمد الغالي، السايح محمد مدعو سي سليمان، وهو الذي زودنا بهذه المعلومات في عدة مناسبات بدقة ووصف قريب من الواقع، لهذا رحمه الله كانت له ذاكرة قوية. إذن اجتمعوا، إذن فزودوا بمعدات الرحلة. ما هي هذه المعدات؟ شكارة نتاع القماش وخبزة وسنيكسا، يعني دي زيس بادري تاع كيما تاع العسكر هذا، لبسوهم وقالوا بسم الله وانطلقوا على كرعهم من الصفراء إلى غاية خليج بوعرفة، مشين على الأقدام وتخفيا يمشون أثناء الليل خوفا من الجواسيس الفرنسيين والإسبان الذين كانت تعج بهم الطريق. على الشاطئ تسود حمى الانتظار، الرجال مستعدون منذ عدة أيام، الجميع يمعن النظر في الأفق عندما تبينت إشارة وصول السفينة في تلك الليلة الممطرة. جابوا ضياف عنا اتصلنا به، قال لي كان السنة هذا كان قال باخيرة، كان واحد راه كان باخيرة، اتفقنا معاه، لقاني هو بوضيوف مع شرق حمدون اللي في زيو، لقاني أنا وياه بقى باش نجي الباخيرة تماك، بقينا سيدي قال جي الباخيرة، بقينا سيدي سبع أيام وحنا تنسنوا الباخيرة، تنشعل الضوء في واحد الجبل تماك باش ما جاش، قالوا يا بدار تخرى عاود اتصلوا مع الإخوان راه تخرى حيت مشات ليبيا. لما وصلوا يعني استقبلوا من قبل الوفد المغربي الذي يمثل الحركة الوطنية والذي بدوره كان مسؤول عن تفريغ الشحنة، لأن المرحوم بوضياف والعابد المهدي رحمه الله كذلك انتقلوا إلى المغرب لتسوية الأمور العملية لإفراغ الشحنة التي كان سيتقاسمها كل من الحركة الوطنية المغربية والحركة الوطنية الجزائرية أو الثورة الجزائرية بمعدل ثلثي للثورة الجزائرية وثلث للمغاربة. إذن انتظروا السفينة، وصلت السفينة في عين المكان، وجدوا الطالب عبد الوهاب ووجدوا شيبان عمر المدعو بومدين. إذن كانوا في الميدان ينسقون مع الإخوة المغاربة ممثل الحركة الوطنية من أجل إفراغ الشحنة. لكن الأمور لا تسير مثل ما كان مقررا، بسبب عاصفة كبيرة اجتاحت رأس الماء، اضطرت دينا إلى تحويل مسارها باتجاه ميناء قريب من مليليا المقاطعة الإسبانية في الأراضي المغربية. بوزار ورفقائه محبطين للغاية. ما العمل؟ القبطان أكثر ذهولا مني لأن لديه كارثة جديدة يخبرني بها، لم يعد لدينا ما يكفي من الوقود، إن الأمر فظيع، كنت أنوي البقاء في البحر وانتظار الليلة المقبلة والبدء من جديد، وبعد أن عودنا فحص حساباتنا لم يبقى لنا سوى أن نواجه السلطات الإسبانية وندعو الله. في مليليا نادير كان الوحيد الذي لا يملك وثائق فبقى مختبئا. صعدت الشرطة الإسبانية وفتشت ولكنها لم تلاحظ شيئا. Et ce qui a fait, ce qui a sauvé un peu cette mission, c'est que le bateau n'était pas doté de hublot pour regarder ce qu'il y avait dedans. C'est ça, ça les a sauvés par contre. Donc ils n'ont pas trouvé les armes, voilà, qui étaient bien dissimulées dans le bateau. Et à ce moment-là, le capitaine Jean, pour ne pas attiser la curiosité des responsables portuaires, il a dit, moi je vais aller en ville pour prendre un bain. Voilà, donc il est descendu en ville, il est parti d'abord, il est passé par un hôtel, et quand il a été à l'hôtel, c'est là où il a été accosté par deux responsables algériens. C'est eux qui devaient recevoir les armes là-bas sur la côte. C'était l'un d'eux, c'était Boumediene, c'est Shiban Ahmed, et le deuxième, c'était Abdelwahab Talib. Ils ont été chez lui.
dans la chambre d'hôtel, ils lui ont dit, voilà, c'est vrai qu'il y a eu un souci de transmission de signaux. Donc voilà, la prochaine nuit, on va se voir à la même crique et il y aura des signaux qui vont être plus perceptibles cette fois-ci. Par contre, tu vas dire à Nadir Bouza de quitter le bateau pour ne pas risquer, parce que c'est très dangereux pour lui, il peut se faire attraper. Voilà, donc finalement, Jean, après avoir pris son bain, il est revenu sur le bateau et il avait dit tout ça au responsable Nadir Bouza. Bon, Nadir Bouza n'a pas voulu descendre du bateau, il a dit « je vais aller jusqu'au bout de ma mission ». Finalement, le bateau, après un jour plutôt, il a quitté le port de Melilla vers 18h, et puis vers 21h, il a chaviré à nouveau, il a tourné à nouveau, et puis il a pris la direction de Ras El Mar. مساء الاثنين 29 من مارس أعطيت إشارة وصول دينا مرة أخرى إلى البحارين والنشطاء المغربيين الذين يمشطون الشاطئ الصغير بأعمدة نارية هذه المرة. في الليل من الطبيعي أن يكون كل شيء مرعب. اقتربت السفينة الصامتة ببطء شديد في ظلام حالك. ندخل خليجا واسعا إلى حد ما. على يميننا جزيرة صغيرة مليئة بالصخور. نتوقف ونسمع أصواتا. كل جسمي يرتعش من العاصفة الشديدة والمرهقة. إنهم المجاهدون. الأمر مروع ومثير في آن واحد. À ce moment-là, le bateau commençait à se rapprocher de Ras El Mar. Et au bout de plus s'approcher, à un certain moment, ils commençaient à entendre des voix de personnes, de gens. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient sur la bonne voie. Et là, c'est là où ils avaient vu une lumière tamisée. Pourquoi tamisée? Parce qu'en fait, il y avait une torche qui a été utilisée, qui a été recouverte par un linge blanc. Voilà. Il y avait des signaux qui étaient émis et ils se sont rapprochés de ce signal. اسمو واحد يقول لي رمضان عقلت شي ميدير جاب 25 جزائريين من مضرومه باش يدخلوا لتما هما تعطلوا وبصح حنا حمدون مع الاخوان اللي كان معنا بومدان اسمو عبد الوهاب هو اللي كان معنا في الباخره كان حاضر نزلنا السنه. لكن واجهتهم عاصفة أخرى في ليلة 29 إلى 30 من مارس ولم تتمكن السفينة من اجتناب مزالق الصخور وأتلفت دون أن تغرق وجزء من الحمولة توشك على الاختفاء في مياه البحر الهائج. لكن الصيادين تحلوا بأشجع الصفات وغطسوا في مياه البحر المتجمد في ليلة مظلمة والتحقوا بالسفينة سباحة على بعد 500 متر من الشاطئ وتم إحضار صناديق الذخيرة والأسلحة الواحد تلو الآخر ولم تضع بندقية واحدة إثر هذه العملية. Les armes devaient être acheminées par une petite barque, mais c'était pas possible vu qu'il y avait une petite tempête. Finalement, il y a eu, ils ont formé une chaîne humaine, donc les armes étaient dans l'eau. هنا لك قصة طريفة أن السي موفق أحمد المدعو التيوي الاسم الحربي كان من بين الذين من بين الثمانية عشر وقد جاء من فرنسا خصيصا ببدلة العسكري للمساهمة في الثورة. إذا كان سباحا ماهرا فألقى بنفسه في البحر ووصل إلى السفينة وقالوا له أصعد فقال لهم لا أستطيع قالوا له لماذا قالوا لأنني عارم كان عارم فتم تغطيته بالزورة ولا حاجة هكذا ثم صعد وكان قوي البنية وصحيح إذن فنزل إلى قاع السفينة وكانوا يضعون الصناديق الذخيرة والأسلحة على ظهره ويصعدوا بها حتى تم إفراغها. Donc une fois arrivé sur le rivage, les armes étaient directement mises à dos d'âne et transportées déjà. Une fois que les armes ont été déchargées, le déchargement a commencé à 10h du soir jusqu'à 1h du matin,
À 1h du matin, Nader Bouzar avait donné ordre aux résistants de ne pas quitter le bateau, de rester dans le bateau. Il n'y avait que lui qui devait quitter parce que bon, qu'il était sans papier. Pourquoi? Parce que comme ils étaient passés par Melilla la veille, les passagers étaient tous répertoriés sur une liste chez eux. Donc pour ne pas éveiller les soupçons de l'armée française et espagnole, il fallait laisser les résistants tels quels dans le bateau. Bon, ils n'étaient pas contents, les pauvres, ils se sont mis à pleurer. Mais bon, ils avaient fait ça pour la cause de la résistance. Et donc Nader Bouzar était le seul à quitter. Il a quitté, et avant de quitter sur le rivage, ils avaient balayé toute la plage avec des branches d'arbres. Ils avaient mis aussi des excréments de moutons, pour ne pas dire qu'il y a eu des gens qui ont marché dessus. Voilà, pour camoufler la situation. مباشرة بعد تفريغ الأسلحة أخفيت في مزارع المنطقة قبل أن يتم إرسالها إلى الجبال الجزائرية والمغربية. جات البخيرة نزل السلاح نزلنا السلاح بعد نزل السلاح أودنا السلاح من البخيرة البخيرة دخلت في الرملة بقات طبان تما وجدنا السلاح تما ملي هودنا السلاح نزلنا السلاح الدار ديال أحمد المشورق قريب عليه تما الزوات خبينا تما الصباح نضنا حيت كاين لي طراس ديال الرجلين ديال البشر وداش جبنا البهايم الغنم دازو على فوق دازو تما باش يغطيو هذاك لي طراس ديال الرجلين بعد اسبانيول لقى واحد لابينيت تما دهن مكحل هذاك لقاه تما المهم جنا بخير سنا خلينا بعد جاو هذوك الاخوان ديال الجزائريين نشوف حالاتهم خبينا السلاح تماك من بعد احمدون شورق هو اللي كان تيعمل صحابو اللي تيدخلوه المغنيه السلاح هما تيدخلوا السلاح للمغنيه ايزون كيتي cette crique là et tous les ans pratiquement se sont dirigés vers une région qui s'appelle Guerma. Et il y avait une grande ferme là-bas d'un certain Hajj Bijou Mohamed. Et c'est là où les âmes ont été conservées en sous-terre, dans des réserves où on mettait du blé et de l'huile à l'époque. Et les âmes ont été cachées là-bas. Le djish l'Espagne, كان يعلم بالتحركات لأن أولا البواخر نزلوا في الميناء ديال رأس كبدانا ومع جانب رئيس كبدانا كاين الجزر الجعفرية اللي فيها قاعدة عسكرية ديال إسبانيا وفي وطبعا هذاك كانوا كيراقبوا كل هذه العمليات إلا أن قالوا لنا الآباء ديالنا بأن راه الإسبان على علم ولكن ما بغاوش هذاك ينطقوا بها ولكن هما ساعدونا على اساس هذا السلاح يمشي سري بدون هذاك رفدوه ولا وصلوه ولا حنا ما شفناكمش جواسيس الاستخبارات الفرنسيه والاسبانيه كانت تتعقب اخبارهم وكانت عندها معلومات حول إفراغ الشحنة وحول وجود مجاهدين جزائريين لهذا كانوا يسيرون أثناء الليل فوصلوا إلى نهر كيس وعبروا نهر كيس وادي كيس ولكن عندما اقتربوا من الجزائر وجدوا بأن الاستخبارات الفرنسية كانت في انتظارهم باعوهم تماما باعوهم لأن كانت دوريات غير عادية لسيارة جيب تجوب الطريق الذي يفصل بين المغرب والجزائر ولكن رغم ذلك تمكنوا من أن تحايلوا على تلك الدوريات ويعبروا طريق في سلام ويسدون أرض الجزائر ويجدون في انتظارهم المرحوم العربي المهدي دينا ذلك اليخت الباسل والمتضرر قد أتم مهمته للنهاية وأنقذ حياة 15 مناضلا وأعطى الثورة الجزائرية أولى مؤونات السلاح الآتية من الخارج لكن ماذا حل به؟ وماذا كان مصير طاقمه؟
quand il a été complètement déchargé de ses armes, bien qu'il a été endommagé, les résistants sont, ainsi que l'équipage étaient restés sur le bateau. Le lendemain, il y a eu une patrouille navale qui était passée à hauteur et qui avait repéré le bateau. Et donc, le bateau a été tracté vers le port de Melilla pour réparation. Et tous les résistants qui étaient, qui se retrouvaient sur ce bateau ont été emprisonnés pour une courte période, parce qu'en fait, il n'y avait pas de preuves tangibles pour les accuser. Donc, et puis le bateau, par la suite, après réparation, on a eu écho comme quoi il est revenu chez sa propriétaire Dina, qui est la première reine du roi de Jordanie, qui elle était à la base princesse d'Égypte. La police de Gdouajet, la police maritime, elle trouve un bateau qui avait échoué contre un rocher. C'est la police espagnole. Espagnole, oui, pardon. La police espagnole, oui, parce que c'était territoire espagnol. Ils ont trouvé un bonhomme habillé en Saoudi. Saoudi, il a dit Babour, c'est à moi. Je suis un prince flani, l'Arabie Saoudite, je suis un prince saoudien. Il ressemble au Saoudien un petit peu. Alors, il a dit bon, ils ont pris les empreintes de Saoudi, ils ont pris Kada, ça m'a obligé à rechercher par Interpol. Qui n'avait rien de prince, il n'avait rien, aucun lien avec la prince, etc. Le bateau a été saisi, les armements de Khlo. Par la suite, six mois après, Ben Bellem, chef Gamal Abdel Nasser. Il a dit que le roi est en prison. Avec même le peu de temps que la révolution avait déclenché, mais le bruit s'était ébruité à travers le monde entier, hein, qu'il y avait quelque chose qui bougeait anormalement en Algérie, etc. Ceux qui connaissaient l'Algérie savaient de quoi il s'agit, ceux qui ne connaissaient pas, c'était des attentats, des cadavres. Alors, quand on dit pourquoi tu as fait ça, Alèche ? Alèche, pourquoi tu as pris le bateau par les armes, etc. Quand on dit que tu es là, quand tu dis que tu es là, quand 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 بومدين اتصل مع اسمه مع ابو سوف ايتترا الى بريكوتي طالعهم وهو رفض لابارتي مع المرة. ثلثي من الاسلحه اي ما يقارب 15 طنا تم توجيهها الى الثوره الجزائريه لتسليح 6000 مجاهد من الولايه الخامسه منطقه وهران تحت قياده العربي بن مهدي، والثلث الباقي لجيش التحرير المغربي من اجل تمرد الريف. نصب معلم برأس المال يذكر بإنجاز هؤلاء الرجال الحازمين وبالأخوة بين الجزائر والمغرب. نادير بوزار عبد القادر son nom de guerre effectivement a combattu dans les rangs de l'armée de libération nationale algérienne, la révolution algérienne, et aussitôt après le débarquement de la cargaison du paquebot Dina, il a accepté de rester dans le moment de libération marocain, à Nador. Il a donc combattu, il a supervisé des actions d'encadrement et de formation des combattants marocains. Il a contribué énormément, notamment dans la province de Nador, mais également dans la province de Taounet, lors de l'inauguration de la stèle commémorative dans la commune de Ras El Mar, en hommage justement à cette expédition du paquebot Dina, eh bien on l'a honoré, il a été honoré en présence de sa famille,
d'une délégation également officielle algérienne et bien entendu de représentants de toutes les franges de la société marocaine. Sans combat, le combat de Nadir Bouzar demeure gravé justement dans la mémoire historique partagée, commune, maroco-algérienne. بعد فترة وجيزة من هذا الإنجاز الباهر تم الاعتراف والتصريح بأن نادير بوزار قائد حرب بلا منازع شارك في تكوين مسؤولين كبار في جيش التحرير المغربي. Donc suite à cette mission d'INA qui finalement a duré 32 jours en mer sachant qu'elle devait durer que 8 jours, Nadir Bouzar a été, comme je vous le disais, transporté par un certain Bounaïlet et Gourdeau en voiture clandestinement jusqu'à Tétouan. C'était pour constituer la première école des cadres révolutionnaires du Maroc, dans une petite région qui s'appelle Djinan Rohoni. Et c'est là donc que Nader Bouzar a formé ses 200 cadres qui à leur tour ont formé à chacun son petit groupe de résistants. Et de ce fait, Nader Bouzar était devenu chef d'état-major de l'armée de libération marocaine, du Rif et de l'Atlas. Par la suite, il a pu coordonner l'action commune algéro-marocaine du 2 octobre 1955 qui, avec les armes du DINA, a pu faire aboutir cette opération qui était importante. Parce que juste suite à cette opération, le gouvernement marocain qui avait destitué le roi Mohamed el-Khamis était revenu sur sa décision de faire revenir le roi pour apaiser un peu les tensions. Exactement. بالفعل في الثاني من أكتوبر سنة 1955 أشرفت أركان جزائرية مغربية على عملية مشتركة انطلاقا من الريف في المغرب ومنطقة وهران، وقد جاءت هذه الحلقة بعد أحداث أود سنة 1955 في الشمال القسنطيني في ذكرى تنحية محمد الخامس، وميزت بطريقة مثيرة للغاية وحدة العمل النضالي من أجل التحرير في الجزائر والمغرب. وكانت المعارك ضارية في منطقة وهران المحاصرة وفي شمال المغرب، كانت المعارك دامية. أصيبت الحكومة الفرنسية بالذعر فقررت الإفراج عن الملك محمد الخامس قصد عزل الكفاح المسلح في الجزائر. C'était d'ailleurs le but. C'était le but. C'était le but de unifier l'Afrique du Nord dans l'action. Et non pas. D'ailleurs, ils ont obtenu, dans un but bien précis, ils ont obtenu l'autonomie interne grâce à la révolution algérienne. Il y a des gens qui le reconnaissent, les Marocains et les Tunisiens. C'est grâce à la résistance, Yanni. Et la révolution algérienne qui a pris de l'ampleur, les Français ont lâché l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, qui n'étaient d'ailleurs que des protectorats. C'est-à-dire, peut-être plus tard, si jamais ça n'a pas pris. الذي يشكل نقطة تحول الكفاح المشترك للمغاربة يتجلى لنا بشكل مذهل التضامن النضالي الجزائري المغربي، وقد عمل نادير بوزار دورا حاسما فيها. بعد انتهاء مهمته في المغرب عاد بوزار إلى الجزائر حيث عمل بالدبلوماسية، وتوفي في 12 من أوت سنة 1975 بالجزائر العاصمة، وقد كتب على شاهد قبر نادير بوزار بمليانة مسقط رأسه أنه شهيد المغرب العربي. أما دينا ومهما كان مصيرها فإنها ستبقى السفينة الصغيرة التي دخلت تاريخ الجزائر الكبير.